Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la fabrication de bombes de bain que j'ai décidé de faire en format moulé. Donc je vais faire des grosses fleurs et des petits nounours. J'ai déjà pesé mes ingrédients pour gagner du temps. Alors ici nous avons le bicarbonate de soude, le SLSA, la crème de tarte et l'amidon de maïs. Et je les ai tous passés dans un petit tamis comme ça pour éviter les grumeaux. Ici sur le côté, j'ai déjà pesé 4 fois mon poids en acide citrique. J'ai déjà mis les colorants pour pouvoir les différencier. Donc je vais avoir une boule de bain rose et violette où on mélangera, une blanche, une jaune. Pour les petits liquides, donc j'ai choisi d'utiliser de l'huile d'amande douce, pardon, du polysorbate 80, et pour les fragrances, donc j'aurai le... Pourquoi je les enlève? J'aurai donc pour le rose et le violet, framboise noire vanillée, pour le jaune, ce sera mouréa, et pour le blanc, ce sera chocolat chaud. Les colorants et les fragrances me viennent de la boutique Aromatisi. Donc je vais commencer par mon blanc, comme ça, pas de taches sur les gants. Donc je prends ma petite raclette, je mélange rapidement. Si vous avez des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à porter des gants. Moi pour toute la pesée, j'en ai porté des gants. Oui, des gants, mais un masque. Pour toute la pesée, j'en ai porté un. Et là, je me dis que j'aurais dû le garder pour faire les mélanges. Je laisse ça de côté. Je vais rapidement attraper le reste. Je mélange mes liquides. Donc, mon huile d'amande douce, mon polysorbate 80 qui va aider l'huile et les colorants à se disperser dans l'eau. Et ma fragrance. Je mélange ça. Maintenant que j'en suis là, il me reste quelques grumeaux, mais je vais venir les écraser à la main lorsque j'aurai ajouté l'acide citrique. J'ai plus de grumeaux, je vais venir gentiment ajouter mon eau. Donc, je vais remplir une fleur. J'attrape une petite cuillère et je vais m'en servir pour taper. Voilà, donc je mets ça de côté et je reprends. Donc pour la couleur suivante, on va faire le jaune. Donc on a une et deux de faites. Je pousse. On va commencer par le rose. Thank you.
Voilà, donc j'ai essayé vraiment de presser aussi fort que je pouvais. Je vais les laisser sur le côté en espérant. Celle-ci, c'est celle-ci qui m'inquiète le plus. J'ai pas l'impression que la poudre ait adhéré. On verra. Donc je vous laisse pour l'instant. Je vais aller me laver les mains parce que j'ai percé mon gant. Et je vous retrouve d'ici. Je vais aller manger. 2 heures. À tout à l'heure. Voilà, je vous retrouve maintenant pour le démoulage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les plateaux. Est-ce qu'ils sont plats ces plateaux-là? Je vais essayer avec celui-là. Donc je prends mon moule, je le plaque sur mon plateau, je retourne et tout doucement, je viens presser. Donc j'ai perdu des petits morceaux, mais c'est pas très grave. Ah, bah celle-là, je l'ai cassée. C'est de ma faute, je l'ai touché, j'aurais pas dû. Et je vais faire la même chose avec celui-là en étant le plus délicate possible. Enfin, je vais le faire sur l'autre plateau, comme ça je suis sûre de ne pas faire de bêtises. Alors je plaque, je retourne, j'appuie doucement. J'écarte un petit peu. Il n'y a pas tout à fait 2 heures qui sont passées. Je me demande si c'est pas trop tôt pour le démoulage. Ah, j'ai tout cassé. Oui, c'était trop tôt pour le démoulage. C'est pas vrai. C'était trop tôt, je savais. Hein. Quand j'ai vu l'heure, j'ai dit ah, c'est peut-être un peu tôt. Mais bon. Bon, bah. Bah, j'espère que les deux dernières sont un peu mieux. Je vais essayer. Bon, bah, je vais essayer de faire quelque chose avec et puis vous verrez sur les photos ce que ça donne parce que là c'est pas super. À plus tard, au revoir. Alors j'ai changé mes plans. Du coup, le gros blanc en le déplaçant, je l'ai éclaté. J'ai tout remis là-dedans. Je vais essayer cette fois. J'espère que cette fois c'est bon. Non, j'en ai éclaté. Je sais même pas pourquoi je continue à faire des bombes de bain. Voilà, à chaque fois, j'ai un problème. C'est systématique. Pourtant, elles sont dures. Je comprends pas. Est-ce que ça vaut le coup que je réessaie ou je mets ça dans un petit pot et ça devient du sable de bain. Très bonne idée. Allez, sable de bain. Faut savoir s'arrêter. Là, ça fait 2 fois que je les remoule. Je vais attraper tout de suite le reste. Si ça fait pareil, ça va dans un pot aussi. Là, j'ai refait 3 nounours. Je vais essayer d'être délicate. Le premier nounours blanc a bien marché. Je n'y ai pas retouché depuis. Je viens de le faire. Il n'a pas bougé. C'est le seul qui a tenu. Ok. Alors là, à part la petite patte qui a cassé, apparemment, ils ont pris. J'en ai 4. Super.
Je vais essayer de refaire, de démouler la grosse fleur jaune. Il y a un petit peu de casse, mais elle a pris et elle est dure sous mes doigts. Je vous rejoins maintenant pour le démoulage. Celle-ci, je l'ai cassée rien qu'en retirant le moule du frigo. Je sais pas. Elle se tient. Il y a juste le dessus qui est pas beau. Ok, bon, bah, je vais la garder comme ça. Et en dessous, on avait donc framboise noire vanillée. Tiendra-t-elle? Tiendra-t-elle pas? Non, elle n'a pas pris partout, mais au moins elle a pris. Ok, bon bah ça. Les boules de bain, de toute façon, en utilisant la même recette, elles sont parfaites. La fois suivante, elles prennent absolument pas. La fois suivante, elles prennent parfaitement. Je sais pas. J'aime pas trop ça. Moi, j'ai pas de baignoire, donc je m'en sers pas. Je sais que mes copines, ma soeur, ma nièce, tout ça, adorent ça. Mais à faire, je trouve que c'est une tannée. Bon, je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis également disponible sur Instagram et sur Facebook. À bientôt!